Monsieur le nouveau chef de famille. Oui, monsieur le maire. Vous pensez conduire ce bateau à bon port, sans incident? Un bon capitaine, monsieur le maire. Dieu notre Père, nous disons que c'est un jour de grâce parce que nos enfants nous ont honorés. Ils ont décidé, Seigneur, de partir de façon honorable pour fonder leur foyer. Raison pour laquelle nous sommes réunis autour d'eux pour partager ce moment de joie avec eux. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. Nous demandons à notre Seigneur de bénir ce couple parce que le mariage c'est une institution de Dieu et de faire en sorte que ce couple aille le plus longtemps possible jusqu'à son extension normale. Chers fiancés, le mariage est certes la plus belle chose qui existe sur la terre, mais aussi la plus difficile. Votre épouse et vos témoins vous écoutent. Ma jolie princesse, désormais ma reine, je te remets cet anneau. Signe de mon amour, fais la promesse solennelle de t'aimer, de te protéger
de te chérir et de t'être fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Petit bébé, mon petit cœur, je te mets cette alliance de mon respect, de mon amour, de ma soumission, à partir de ce jour jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est un honneur et un grand plaisir pour moi de vous déclarer Monsieur Digwe et Madame Digwe dorénavant. Monsieur Digwe et Madame Digwe dorénavant, en Afrique, quand on est content, surtout chez moi à la piqueterie, on danse. Nous voulons, notre Dieu, notre Père, te rendre des actions de grâce pour ces jours bénis, ces jours de joie, ce jour de célébration, ces jours historiques. Through drought and famine, natural disasters, my baby has been around for me. Je suis très content. Je souhaite à ma fille un bon ménage. J'ai un petit pincement, mais c'est souhaité. Je veux voir mes petits-enfants. À la fois, c'est une fierté, mais aussi une mélancolie. Je suis fier, mais il y a également ce petit fond de mélancolie. Le mariage, c'est la recherche permanente.
Alors vous êtes nomade, la vie chrétienne, la vie conjugale est une recherche permanente. Une recherche de comprendre l'autre. Une recherche de l'amour pour l'autre. C'est vraiment la recherche de s'ouvrir permanemment à l'autre. La douceur au quotidien. La compassion, savoir comprendre l'autre. Qui souffre, vous ne pouvez jamais prendre la place de l'autre qui souffre. Mais savoir compatir avec. Ayez l'amour qui est le lien le plus parfait. Il n'y a pas d'amour sans désir. Si vous n'avez jamais pensé vous donner tout entier à l'autre, vous n'avez jamais commencé à pouvoir l'aimer. Solange, veux-tu être ma femme? Oui. Oui, je le veux. Et toi, Armand, veux-tu être mon époux? Oui, je le veux. Moi, Armand, je te reçois, Solange, comme épouse et je serai ton époux. Je promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre vie. Moi, Solange, je te reçois Armand comme époux. Je serai ton épouse. Je te promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre vie. Solange, reçois cette alliance. Signe de mon amour et de ma fidélité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Armand, reçois cette alliance en signe de mon amour, ma fidélité et de ma fidélité au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Solange et Armand, ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction, ce que Dieu a promis. Que l'homme ne le sait pas. Somebody's daughter, it could have been a nightmare, but it felt like they were right there, and it feels like yesterday was a year ago, but I don't want to let anybody know, cause everybody wants something from me now, and I don't want to let it go. Solange et Armand, vous êtes désormais mariés et femmes, vivez dans l'amour tel que vous nous le promet. Dans cette église, le Seigneur qui vous a venu se fera votre compagnon de route dans tous les points. Restez fidèles. Que Dieu le Père Tout-Puissant vous donne sa joie et vous bénisse dans vos enfants. Amen. Jack, I'll share it.
Excellences, mesdames, messieurs, en vos titres, qualité et grade respectifs, bonsoir. Bienvenue dans cette formidable salle, décorée aux belles couleurs assorties d'or et de blanc, pour célébrer deux personnes formidables, deux personnes qui nous sont chères, puisque nous sommes là depuis bientôt 2 heures de temps à attendre qu'ils arrivent. Simplement, ils se font désirer parce qu'aujourd'hui, c'est leur jour. Mesdames, messieurs, sans plus tarder, je vous prie, mesdames, messieurs, de vous lever pour qu'ensemble, nous puissions accueillir ces formidables époux que nous sommes venus célébrer en ce soir. Merci de vous lever et avec le Didier, mesdames, messieurs, mettons nos mains ensemble et tapons bien fort pour accueillir Solange et Armand Dikwe Dakol. Tonight, I will catch a flight and come see you tonight. Hey, ooh, girl, I won't see you tonight. I will catch a flight and come see you tonight. Cause this distance is killing me for sure. So give me for more, give me meat on top. I want this, your love. Oh. Est-ce qu'on peut applaudir, mesdames et messieurs? Voilà, il fallait que nous puissions vous laisser sur votre faim, car la soirée ne fait que commencer. Je vous demande d'applaudir encore bien fort pour Solange et Armand Dakol. Bonsoir à tous. Je n'ai pas de mots particuliers, sauf à vous dire... la bienvenue à l'occasion du mariage de ma fille. Donc, je vous dis merci. Merci d'être venu et bonsoir à tous. Ce qui me réjouit davantage à cette occasion, c'est l'aboutissement heureux de ce long processus. Un seul conseil, la patience dans leur vie conjugale. Je voudrais, au nom de deux familles et au nom du nouveau couple, vous souhaiter à tous une cordiale soirée et un bon appétit. Vive les nouveaux mariés. Merci. Alors, mesdames, messieurs, je voudrais me risquer à pouvoir raconter leur histoire. Ils se sont rencontrés par le biais d'amis proches. Et lorsqu'il y a eu le premier lever de confinement, ils se sont rencontrés et tout est passé comme une lettre à la poste. Thank you.
Vraiment, moi je suis ému. Je n'ai jamais vu un mariage comme ça où tu entres, tu constates que vraiment, si la salle est belle, ce n'est pas parce que les décorateurs ont fait un travail extraordinaire, c'est parce que les invités ont d'abord un charisme vestimentaire qui a chacalisé tout. Non, c'est ça qui a fait tout. Oui, mon frère. Viens me brutaliser financièrement. Par amour pour tout ce monde, je préfère subir. Je suis maso financièrement. Venez me taper avec l'argent. Bon, merci, mon frère. Et je tiens à vous signaler que la cérémonie est filmée. Si un bien est tombé, je n'ai pas vu. Arbitrage et vidéo. Merci, mon frère. On va faire quelque chose pour vous, un beau souvenir qu'on va faire pour vous. Est-ce que tout le monde qui est là avec un cœur pour soutenir ce couple peut lever la main? Même ceux qui n'ont pas les anneaux, ça ne dérange pas. Ok, on filme comme ça là. Je voulais vous dire que je suis candidat aux élections de l'Africa Foot. Tout le monde qui a levé la main soutient ma candidature. Merci à tout le monde et que Dieu vous bénisse. I just want to be high.